Bonjour tout le monde. Cette semaine, donc, je vous propose une petite séance en vidéo. Comme ça, celles et ceux qui ne veulent pas nécessairement être là en visio en même temps que nous pourront voir et revoir cette vidéo à l'infini. Donc, théoriquement, j'ai fait passer à vos parents du matériel. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a récupéré. Pour celles et ceux qui l'ont récupéré, normalement, vous avez eu quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, une pochette dans laquelle il y a du papier, différents types de papier. Normalement, il y a un papier blanc qui est plus épais que les autres, c'est du papier aquarelle, c'est de cette feuille dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, papier aquarelle, papier blanc un peu épais, il est légèrement granuleux. On va également se servir de ce qu'il y a dans ces petits flacons, pareil que vous avez dû recevoir. Donc, dedans, ce sont des encres, on les a déjà utilisées en début d'année. Normalement, vous avez un pot de jaune, un pot de cyan et un pot de magenta, qui est la troisième couleur primaire, qui est un rose relativement foncé, et un pot de noir. Donc le noir, ce n'est pas de l'encre de Chine, comme ça ce sera plus sûr à utiliser à la maison, c'est de l'encre noire normale. Donc comme les autres encres, ce sont des encres qui cette fois ne sont pas indélébiles, c'est-à-dire que si vous mettez une couleur et du noir par exemple, et que vous venez passer une autre couleur par-dessus, on risque d'avoir des bavures et des coulures, etc. Donc à faire attention pour ça. Et enfin, normalement, vous avez également des pinceaux. Je vous en ai fourni pareil dans le petit tas de matériel. Après, si vous en avez d'autres à la maison, profitez-en, servez-vous-en. Mais dans l'intervalle, voilà, vous allez avoir besoin de ça. Donc ça, c'était la présentation rapide du matériel dont vous allez avoir besoin. Je rappelle, la feuille de papier blanc un peu épais qui est du papier aquarelle. Les encres de couleur et l'encre noire, des pinceaux et puis bien comme toujours un petit crayon de papier, une gomme et également vous aurez besoin d'au moins un pot d'eau, voire de deux si nécessaire. Et si vous avez une éponge super propre, c'est un bonus, on peut faire sans, mais ça pourra vous aider pour une des étapes du travail. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est de vous présenter un petit peu ce sur quoi on va travailler. Avant de vous faire, comme la dernière fois, un petit étape par étape où vous pouvez suivre au fur et à mesure en mettant sur pause à chaque fois que vous voulez travailler, puis vous relancez la vidéo quand vous êtes prêt à passer à la suite. Nous allons travailler cette semaine autour de Michel Oslo. Donc, a priori, vous ne connaissez pas ce nom, mais vous connaissez peut-être certaines des œuvres qu'il a réalisées. Lui, c'est un cinéaste, dessinateur, illustrateur. Et c'est lui qui a réalisé notamment Kirikou. Et puis, s'il y en a qui connaissent un petit peu plus cet univers, il a fait également Azur et Asmar, Prince et Princesse, etc. Nous, on va s'intéresser plus à l'esthétique, aux images qu'il a pu réaliser, par exemple, pour Prince et Princesse, donc des images qui ressemblent à ceci. Donc des images où on a des éléments principaux, des éléments de décor, des personnages en noir sur un fond de couleur. Donc nous, on s'inspire de ça. Je vais vous proposer plusieurs images que vous pourrez retrouver comme toujours sur le blog. Donc vous piocherez parmi les images qui vous plaisent, soit vous en prenez une qui vous plaît énormément et vous essayez de la reproduire en transformant, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est trop compliqué, rien n'empêche de transformer, de supprimer, etc. Donc soit vous prenez une image qui vous plaît en faisant des petits ajustements, soit ben, vous pouvez mélanger plusieurs images, voire même pourquoi pas inventer, le principe étant quand même de s'inspirer de cet univers. Donc on va pas faire des robots, des choses comme ça, on va plutôt avoir des choses de type paysage avec pourquoi pas des personnages et ou des animaux. Donc la première chose que vous allez faire sur votre feuille de papier aquarelle, ça va être de dessiner justement ces silhouettes, le sol et ce qu'il y a dessus, tout ce qui apparaîtra en noir à la fin. Alors, il n'y a pas besoin de faire absolument tous les détails. Ce qui va être important, ça va être de mettre les éléments principaux là où vous les voulez pour la suite. Donc, quand il s'agira de passer à la couleur, vous saurez à peu près où vont se situer les différents éléments. Moi, j'ai réalisé quelque chose qui ressemble à ça. Donc, avec des arbres sur la gauche du dessin, là, on va avoir des sortes de plantes qui font un peu penser à des palmiers. Donc là, j'ai juste fait des tiges parce que j'ai pas besoin de plus. Et puis moi, sur l'image de départ, que vous reconnaîtrez peut-être parmi celles que je vous propose, il y avait deux personnages, un qui portait un autre personnage sur le dos. J'avais pas envie de faire des personnages humains, donc j'ai décidé de faire un bouquetin avec des cornes assez monumentales. Donc, vous allez réaliser le dessin à partir des modèles que je vous ai proposés. Encore une fois, on imagine, on transforme, etc. Et ben, je vais vous laisser dessiner. Vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous avez terminé le dessin, que vous en êtes contente et content, vous réappuyez sur le bouton lecture et je vous explique la suite des aventures.
Étape numéro 2 maintenant. Donc normalement le dessin est fait, vous en êtes contente, vous en êtes content, et on va pouvoir maintenant passer à la couleur. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui ou vous refaire découvrir comment réaliser un dégradé avec des encres. Donc parmi ces trois couleurs primaires, vous allez en choisir deux. Parmi les couleurs obligatoires, il va y avoir le jaune. Et à ce jaune, vous allez l'associer au choix du magenta, donc le rose un peu foncé, ou à du cyan. C'est à vous de choisir, sachant que si vous mélangez cyan et jaune pour le dégradé, vous allez avoir bleu, vert, jaune. Et si vous choisissez le magenta, vous allez avoir rose foncé, rouge, orangé, jaune. Ça va être en fonction de vos goûts. On ne cherche pas nécessairement à faire quelque chose de réaliste. Vous allez avoir besoin donc de vos pinceaux, d'un pot d'eau, et si vous avez l'éponge, en fait, elle va tout simplement vous servir à la toute première étape qui va être d'humidifier votre feuille. C'est-à-dire que sur votre dessin, vous allez venir mettre de l'eau absolument partout, ce qui va permettre de réaliser le dégradé plus facilement que si c'est sur papier sec. Attention, le principe, c'est pas non plus que l'eau dégouline, c'est-à-dire que si vous inclinez votre feuille comme ceci, on ne doit pas avoir des grosses gouttes d'eau qui dégoulinent de partout. Qu'il y en ait un petit peu, pourquoi pas, mais s'il y en a beaucoup, c'est que vous avez mis trop d'eau et l'encre risque de baver partout. On humidifie, c'est-à-dire que le papier doit briller, mais pas de l'eau qui dégouline partout, sinon vous tapotez avec un petit chiffon ou un bout de papier essuie-tout, quelque chose comme ça. Une fois que votre papier est bien humidifié, vous allez commencer par votre première couleur. La première couleur, c'est la couleur la plus foncée des deux, donc au choix, le magenta ou le cyan. Vous allez appliquer cette couleur en haut et puis en remettant un petit peu d'encre, mais pas nécessairement beaucoup, vous allez essayer de descendre sur votre feuille et au fur et à mesure que vous descendez dans la feuille, il doit y avoir de moins en moins de couleurs. Idéalement, le principe, c'est en bas de la feuille, arriver au blanc, retrouver le blanc du papier. Donc si je prends le magenta par exemple, magenta très foncé, puis ça va devenir de plus en plus rose clair, rose clair, rose clair et blanc. Ce sera la même chose avec le cyan. Quand vous avez fait cette première étape, on tourne la feuille dans l'autre sens, on vient prendre le jaune et c'est la même chose. On met beaucoup de jaune en haut et puis on en met de moins en moins, de moins en moins. Normalement, le jaune va passer un petit peu par-dessus le magenta ou le cyan et vous allez avoir des couleurs qui vont se mélanger. Je vous l'explique comme ça, je vais vous faire la démonstration en vrai, en vidéo, comme ça ce sera peut-être plus facile à voir comment on fait ça et comment ça fonctionne. Donc, eh bien, c'est parti, je bascule la caméra et vous allez voir la suite du travail. Donc, je commence par humidifier ma feuille. Moi, j'ai utilisé une éponge pour le faire. Je mets bien de l'eau partout et je vous rappelle, le principe, c'est que quand on incline la feuille, l'eau ne dégouline pas partout. Donc, la feuille va être légèrement en train de gondoler parce qu'on a mis de l'eau dessus. Ça ne va pas nous empêcher de commencer à travailler. Donc moi j'ai choisi magenta et jaune pour obtenir un rouge, ce qui n'étonnera personne. Et ah, je commence donc par mon magenta. Donc du magenta en haut, j'en mets pas mal. Et je vais l'étirer jusqu'à peu près à la moitié de la feuille. Donc en haut, je mets le magenta bien pur pour qu'il soit bien intense. Et ensuite, je vais commencer à venir rajouter un petit peu d'eau. Voyez, moi c'est déjà en train de devenir blanc. Vu que je trouve que c'est trop clair trop vite, je vais venir reprendre un peu de magenta et mettre du magenta qui descend un peu plus bas. Et comme tout à l'heure, et bien je commence à ajouter de l'eau pour diluer mon magenta, qu'il soit de plus en plus clair.
Maintenant que j'ai fait mon magenta, je peux tourner ma feuille et venir faire mon jaune. Donc je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et bien sûr, je prends un pinceau propre pour le faire. Je vais réhumidifier légèrement ma feuille qui a eu le temps de sécher parce qu'il fait bien chaud. Et c'est parti pour le jaune. Donc je fais la même chose. Là, j'arrive sur la partie où il y a déjà du magenta clair, donc je vais mettre du jaune et je vais l'éclaircir comme je l'ai fait tout à l'heure. Et voilà, j'ai mon dégradé qui ressemble à ceci. Donc, vous avez vu la technique du dégradé. Ça va être à vous de jouer cette fois. N'hésitez pas à prendre deux pinceaux si vous en avez deux assez gros. Si vous n'en prenez qu'un seul, essayez de penser à bien le rincer entre les deux couleurs, sinon vous allez avoir des couleurs qui vont se mélanger un peu, notamment le jaune va très vite se teinter, va devenir orangé si vous avez utilisé du magenta, ou un petit peu vert si vous avez utilisé du bleu. Donc vous nettoyez bien le pinceau entre les deux étapes. Et bien, comme tout à l'heure, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et puis on se retrouve juste après pour la suite du travail. Normalement, ça y est, le dégradé est réalisé. J'espère qu'il vous plaît. Si jamais il ne vous plaît pas trop, il y a toujours possibilité de rajouter un petit peu de couleur de ci, de là. Si vraiment c'est une catastrophe sans nom, ce qui peut arriver, même au meilleur, n'hésitez pas à utiliser dans ce cas-là l'autre côté de votre feuille de papier. Il y a deux côtés. Normalement, l'autre côté, il y a beaucoup moins de couleurs, même s'il peut y avoir quelques petites touches. Et vous pouvez vous en servir pour retenter le dégradé. Après, vous choisirez celui que vous préférez. Quand le dégradé est fait, avant de passer à la suite, il va falloir impérativement que l'encre soit sèche. Vous avez désormais deux options. Soit vous avez le temps, vous avez d'autres choses à faire, pourquoi pas. Dans ces cas-là, vous laissez tout simplement votre dégradé sécher tranquillement. Normalement, d'ici 10 minutes, notamment s'il fait beau, les encres seront sèches. Soit vous avez un sèche-cheveux et vous accélérez le séchage au sèche-cheveux en faisant attention que l'encre ne dégouline pas partout. Notamment, si vous avez mis beaucoup d'eau sur votre papier au tout début, il y a des risques que la couleur dégouline un petit peu dans tous les sens. Donc, un petit coup de sèche-cheveux ou on attend que ce soit sec. Quoi qu'il en soit, il faut pour la suite que les premières couleurs soient sèches.